Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur du LP. J'espère que vous allez bien tranquillement. On se retrouve pour quoi? Alors j'ai fait le donjon, hein, je l'ai fait en plusieurs parties pour moi, puisque j'ai dû facilement faire 3-4 heures de plus dans le donjon, surtout dans la partie vraiment tout en bas, parce qu'en 1.8 ou 1.7, pouvait taper comme des connards pour taper du mob. Maintenant, t'es obligé de jauger ton coup pour faire plus de critiques, ce genre de choses. Bon, c'est bien d'un côté, mais c'est chiant de l'autre. Merde, je peux couper ça. C'est bien d'un côté, mais c'est chiant de l'autre. Après, ouais, pourquoi pas vraiment taper comme ça, comme il faut. Donc, enfin bref. Du coup, j'ai eu quand même pas mal de stuff. J'en ai beaucoup laissé là-dedans, dans la partie du donjon. J'irai les chercher, surtout les livres. Malheureusement, il n'y a pas Applied pour stocker tout ça. Je vais essayer de me renseigner pour avoir un système de stockage. J'espère qu'en tout cas, il y en a un en 1.9. Comme genre Logispy, ça aurait été bien, mais il n'y est pas, ça c'est sûr. Après, le reste, voilà. Au niveau des stuffs, en tout cas, j'ai récupéré celle-ci. Un bon power 4 au début. Cette épée, bah, je l'avais, mais j'ai fusionné avec d'autres choses. J'avais 56 levels, j'en ai plus que 6. J'étais plutôt content. Bon, ça va, il y a Unbreak 3, Mading, Sharpness 5, Soul Stealer 2, Knockback 2, Looting 2. Ça va, c'est plutôt assez intéressant. J'ai récupéré une pioche efficacité 5. C'est quand même pas rien, efficacité 5. Efficiency plutôt. La petite pelle Easy Poney. Et après, j'ai eu des Diamond Bull avec Death Rider, donc ça va être super bien pour aller dans le temple Guardian. Malheureusement, mes boots ont pas mal souffert, il faut dire ce qui est, j'ai dû le remplacer mon plastron parce qu'il était mort, par le Protect 4 que j'ai trouvé, et là un autre Protect 4 aussi que j'ai trouvé. Donc du coup, cela, franchement, c'était bien. Et je viens de remarquer qu'il y a Shiny Helmet, Shiny Plate. Et il n'y a pas les autres. Ça veut dire qu'il y a du P4 aussi en jambes et en pieds. Mais je vais quand même garder ça. Alors, il va y avoir un petit truc assez cheaté dans Project E que je veux utiliser. Parce que j'en ai un petit peu marre de perdre ça en fait. C'est surtout ça. Ça, c'est. Je garderai bien le pantalon en grosse protection, et les pieds, pourquoi pas les mettre justement avec ceci, Protect 4 et Death Rider 3. Alors pourquoi faudrait de l'unbreak. Non bah non, je suis con, j'ai pas besoin d'unbreak là-dessus. Pourquoi? Parce que je vais faire un truc assez cheaté du Project E. Alors Project E, il y a un truc qui s'appelle le talisman de repair. Pourquoi? Parce que ceci en fait vous restaure indurabilité toutes les 1 seconde. Donc c'est assez pété sur des bons plastrons, ce genre de choses. Donc ça, avec ça, je suis plutôt tranquille. Ça, je vais essayer de le renforcer du coup. Et je vais mettre mes petites bouts là. Hop. Donc, et en même temps d'avoir ceci en bon protect. Tiens, en parlant de ça, est-ce que j'ai un livre protection? Protect 4, ouais, protection 4, ouais. Efficacité. Ah, sharpness, ça me ferait chier de le mettre dessus. Efficacité 4, sharpness, protect 4. Voilà, j'ai un bon petit protect 4 tout court. Donc ça va être assez easy. Au niveau du talisman, du coup, il me faut de la cobble et un charcoal. Ok, ça m'en fait 40. De la cobble. Par contre, j'ai plus de cobble, je crois. Et j'ai pas de charcoal, donc comme ça, c'est clair. Hop. Il faudrait que je mette un œil dessus. Celui qui me permet de rouler. Mais il n'est pas encore dispo. Voilà, j'ai mon petit charcoal. Il va me falloir de la cobble, donc je vais aller chercher ma cobble. Le temps que, bah, de toute façon, ça arrive. Faudrait que je me fasse aussi un petit générateur de cobble. Parce que j'ai pas envie de déforester en fait tout mon sous-sol, malgré que ça pourrait être pratique pour faire quelques petits crafts. Allez, on va faire dodo. J'ai rajouté Botania sur le pack.
Je l'ai rajouté, celui qui est unofficiel. Donc la liste évidemment des modes se fait directement dans le passbin. Directement. Tout se fait là-bas. Et j'ai rajouté aussi Blood Magic. Voilà. Donc ça c'est les deux modes que j'ai rajoutés principalement. Il me faut un fer et une Doorstone. Tac. Hop. Tac. Voilà. J'ai un petit peu du mal. Voilà, 40 bleus. Et il me faut cela qui est un col et un diamant. Heureusement, des diamants, j'ai pu en... Comment? En... Merde. J'ai pu, comment, en trouver. Parce que c'est assez chiant et dur à les avoir. Des strings. Ouais, j'en ai. Et du poplar. J'ai du poplar. C'est magnifique. Alors, concernant la maison que je vous avais dit, en fait. La fameuse maison. C'est ne faites pas de la maison en version voyez ça se repère. C'est tellement pété. Ah ça a pas l'air de se repère. Ah non, ça repère déjà ici et ensuite ça repère ici. Ok. Comment? Il y a ce qu'on appelle en fait du vanilla. Alors, en plus elle a pété, lol. Le vanilla, par exemple, vous construisez une maison en vanilla que vous semblez tellement beau par rapport à ici, avec du spruce, pourquoi pas. Et moi, avec Open Computer qu'on va se faire plus tard. Excusez-moi du bruit. On va du coup faire ce qu'il faut en version évoluée. Voilà, c'est surtout pour ça en fait. Donc c'est pas... À vous de faire du Open Computer, on le fera ensemble. Du coup. Alors, lui. Ah, il repère. Ah, il repère ce qu'on a dans l'inventaire. Oh, d'accord. Ok. Alors, ça, je savais pas par contre. Il y a un creeper par là-bas, je ne sais pas où qu'il est. Dans les profondeurs. Mais du coup, il repère ça. Ok, là, ça repère tranquillement. Ça va tout repère. Moi, je pensais qu'en fait, il faisait un repère de... Comment? De même ce qu'on avait dans l'armure. Est-ce qu'on peut pas le mettre là? Ah, si, on peut le mettre là. Mais est-ce que ça va repère? Là, je suis à 91. Tututuc. 91. Ah. 92. D'accord, ok. Bon, bah, je suis obligé de le laisser là pour l'instant. Donc, j'aurai plus de fire et de résistance. Mais ça va, c'est assez cool quand même. Du coup, ça m'aura peut-être évité de faire perdre des choses par contre. Bah, ça va se repair tranquillement, c'est cool. En plus, ça repair en énergie. Donc, plus on en fait des repair talismans ici, plus on augmente notre... Bon, on augmente notre vitesse de commande de réparation. Alors, Matlang Project EIFI. On va commencer un petit peu à faire autre chose. Parce que c'est bien beau, mais il faut bien faire autre chose un petit peu. Ce que je voudrais faire. On va devoir commencer à faire un petit truc. Alors. Il y aurait du Botania que je pourrais faire, mais ça, le Botania, on le fera bien plus tard parce qu'il y a d'autres projets en cours. Pour l'instant, c'est surtout du Open Computer qui m'intéresse. Alors, pourquoi Open Computer? Parce que... Oh! De l'Under Crystal. Oh, ça a complètement changé, wesh. Wither Obelisk. Ah ouais, carrément. On peut changer le temps et lol. Ah, c'est magnifique ça. Tiens, c'est magnifique. Oh, on peut avoir le chisel. Cool. Botania, Stone Chisel, Iron Gold. Positive. Ok. Il y a pas mal de choses qui ont beaucoup changé en tout cas. Ça, c'est plutôt cool.
Les Angel Rings qui sont cool. Rare Drop the Wither Skeleton. Ok, très bien. Pour avoir les Angel Rings, il faut... comment? Il faut des... Bon, ça, c'est pas trop un problème. C'est surtout des battes. Il nous faut un ghast. Ok. Et il nous faut ceci qu'on a déjà. Ça, d'ailleurs, je l'ai déjà. Et la petite charte qui va bien. Ok, donc j'ai déjà tout ça. Ça, je m'en fous un petit peu. On a l'œuf. Donc, ce qu'on veut faire. Je regarde un petit peu. Il y a Open Computer qui me plaît pas mal. Cependant, vous voyez, le problème, c'est que... Bon, ça, c'est déjà, c'est pas très coûteux. Dans Open Computer, il va falloir pas mal de choses. Il va falloir beaucoup de craft, beaucoup de gold, de redstone et autres. Il faudrait que... dans le Nether, je puisse accéder sur le toit du Nether et que pour avoir de la redstone, il y a ok la redstone, il y a l'alchimie. Oh, cool. Voilà. Il est botania. Il est surtout botania pour pouvoir la dupliquer. Cependant. Il y a les micro-contrôleurs aussi. On peut avoir des turtles de computer. Il faudrait qu'on arrive à faire une usine de witch. L'usine de witch, ça peut être pas mal. Cependant, attends, est-ce que j'ai deep storage? Non. Ah bah non, j'ai pas le mode. Qu'est-ce qui pourrait être bien, qui est un stockage assez énorme? Peut-être que je rajouterai un mode d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas des modes de disquette? Hormis les storage versions. Ah bah si, il y a ceux-là, les basic drawer. Il faudrait des upgrades à gogo par contre. Press time. Après c'est vrai qu'il y a les gros storage. Créative. Ok, là du void, redstone max mini. Ok. C'est vrai qu'on pourrait faire ça quoi, hein, 2, 3, 4 storage avec des contrôleurs qui pourraient être pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que pour l'instant, bah lui il repère toujours, c'est toujours bien. Création. Oh! Combi tout de craft, tout furnace, modular storage. Oh. Ah, ça a l'air un petit peu cher quand même. Mais ah oui, Under Furnace carrément, YOLO. Ok, très bien. Ça demande quand même pas mal d'Under Pearl, j'en ai pas énormément, donc ça va être un petit problème. Mais il faudrait qu'on arrive à se faire déjà la première maison. La première base où qu'on puisse mettre nos coffres sans pour autant être dans la merde. Oh, on a de la grâce ici. Je savais pas qu'on avait de la grâce. Ah oui, on a Death Rider. Ah bah tiens, là-bas. Voilà. Comme ça, j'ai la Gunpowder, je suis content. Et au moins dans l'eau, je pourrais faire ce qu'il faut maintenant. Hop là. Bon, pour remonter, c'est toujours aussi la merde, mais c'est pas grave. Surtout on peut courir solo, ça c'est un truc que j'adore. Par-dessus tout, j'adore. Donc, bah ça c'est magnifique, j'ai ma petite gunpowder, tranquillou. La première gunpowder en plus. Va falloir se faire un petit... Ah, je sais quoi faire. Du fait que storage, là, les storage drawers, ça demande énormément de poids. Et bah je sais ce qu'on va faire. Il faut juste que je retrouve le mode. Ça, c'est un problème parce que je m'en rappelle trop jamais les modes. Ça doit être automa... Ouais, c'est ça. Ah oui, il y a l'ordre direction. Diamond miner, iron miner, stone generator. Ok. Donc ça demande du bois. Alors, qu'est-ce qui a besoin? Ça, wooden planter. Wooden generator. Ouais, ça doit être ça. Hein. Non, c'est un wooden chopper. Ok. Donc c'est bien un wooden chopper. Le wooden chopper, à quoi il sert? C'est tout simplement. On va faire comme ça. Voilà.
chopper. À quoi ça sert? Bah, tout simplement, ça permet de planter des arbres et de les couper en donnant du charbon. En faisant un petit mécanisme, on va pouvoir récupérer du charbon, donc réalimenter la machine automatiquement. Mais en plus, l'avantage, c'est qu'on est tranquille. Alors, RF Tools. Nous n'avons pas RF Tools. Ah, je l'ai pas mis RF Tools. Ah, c'est con. Faudrait que je regarde s'il est, s'il est à jour. S'il est à jour, ça m'arrange. Parce qu'il y a des machines qui peuvent être très bien. Hop, on va refaire dodo. Parce que j'ai pas envie d'avoir des mobs. Alors, au niveau du chopper ici. Donc il nous faut des. Nous faut un chest, il nous faut un furnace, une hache et du bois. Bon, bah c'est pas trop un problème ça. Du bois, j'en ai. Ça c'est beaucoup de terre. Hop. Récupérer ça. J'ai de la planche. J'ai ceci. Alors, me faut. Ah, il va me falloir de la cobble en plus. Allons rechercher de la cobble. C'est bientôt fini ça? Non? Encore 8 de cobble. Bientôt, je vais arriver en fait au carrément tout en bas et je vais me retrouver chez les Chinois. Tac. Mon petit four. J'ai ceci pour avoir une hache. Voilà. Et il me faut un coffre. Hop, shift click et vous avez votre premier truc qui est le wooden chopper. Nvidia qui m'invite quelque part. Lol. Maintenant, on va le placer en mode stone parce que oui, plus vous mettez d'upgrade, plus va falloir mettre les haches en conséquence. Sachant que le wooden, pour l'instant, en fait, le wooden, quand vous le posez, voilà, son hinge est de 1. Ça veut dire que là, il y a des pousses. Tout autour de lui, il y a des pousses. Mais ça va pas forcément pousser, forcément. Il vous faut, du coup, il vous faut aussi des haches, par exemple. Il vous faut une upgrade si vous voulez. Utilisation automatique. Ah oui, c'est automatisation. C'est progressive automation. Des wizards. Oh, c'est tellement beau. En fait, ça vous donne un break. Voilà. C'est surtout ça, en fait. C'est cool. Voilà, bon. Enfin, bref. Diamond craft. Oh, on peut avoir des tables de craft. Oh. Oh, ça m'intéresse, tiens. Wooden crafter. Table de craft, four et chest. Oh. On peut avoir des. Attends, on va rechercher de la cobble, tiens. Ah bah cool, il y a du granit. Je m'en fous du granit. Voilà. Peut-être mettre une petite torche dans le coin, tiens. Pouf! Et alors, on va remonter. En tout cas, c'est cool, on va pouvoir se faire des petites choses au début, c'est cool ça. Hop. Juste pour avoir une table de craft. Crafter. Un chest, une table de craft. Hop, un gros chest. Et il nous demande des bûches. Et forcément, je n'ai plus de bûches. Bah, l'arbre à côté, désolé, mais tu vas devoir y passer. C'était franchement bien de t'avoir parmi nous, mais t'es un petit peu obligé de passer. Du coup, wooden craft. Hop là. À quoi ça sert? Oh, ah, ok. Table de craft intégrée pour avoir du charbon. À quoi ça sert? Je sais pas, mais. Donc ça voudrait dire que si je la mets. Ah d'accord, ça se pète avec la cocotte, très bien. Si je la mets en version au-dessus, qui est de la stone, ou de l'andésite, une table de craft évoluée, bah, on va tester, hein, on va voir ce que ça donne.
C'est bien, on découvre les modes. Eh bah c'est cool ça. Diorite, c'est considéré comme de la stone en plus. Voilà, j'ai ma stone. Je sais pas à quoi ça sert de plus, mais ouais. Bon bah c'est cool. Hein. Du coup, lui on va passer en mode stone. Je pense qu'on va dev on devrait le passer en mode stone. Je sais pas, est-ce qu'on le passe en mode stone? Non, pour l'instant on va le laisser en mode normal. On va lui faire les premiers outils. Voilà. On va lui demander qu'il coupe. Ah, j'ai pas de hook. J'ai que du spruce. Bon, on va lui demander de couper du spruce, hein, c'est pas très grave. Et j'ai assez de charbon pour tout faire. Donc, le charbon, les saplings, la hache. Donc là, il va planter ici. Et normalement, il doit planter tout autour. Autour, hein. Normalement, tu dois planter. Waiting. Waiting for you. Est-ce que je mets un coffre dessus par contre? Pour être sympa. Même s'il y a un rangement sur le côté là. Ah, il le met automatiquement dessus. Donc ça c'est bien. Le coffre au-dessus nous permettra d'obtenir des petites pousses. Cependant, est-ce qu'il va le couper tout seul du coup? Parce que c'est bien beau. Il est en mode waiting. Donc là, à mon avis, il doit attendre que l'arbre pousse. On va l'aider un peu à pousser, tiens. Si j'ai de la bonne mille, par j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas de bonne mille, les gens. Je n'ai absolument pas de bonne mille. Faudrait que je me fasse une Toramob à un moment. Ça pourrait être cool. Pour obtenir un petit peu nos premiers objets. Un kit qu'à s'asseoir un petit peu en cobble, histoire d'eux, et puis on les fasse tomber. Ça pourrait être pas mal d'ailleurs. Une tour à mob, n'importe laquelle. La faire tomber. Hein, la faire tomber là. Ouais, c'est pas mal. La faire un petit tri. Y a pas un squelette dans le coin? Il y a un squelette, mais ouais, là je suis pas sûr. Ah, si, quoi que. Ah. Merci pour la tête. Ouais, on. Je savais pas qu'il y avait une autre caverne dans le coin. Eh ben, c'est cool. Au moins, il a popé là où qu'il fallait, lui. Au moins j'aurai mes deux trucs de squelette. Vas-y, monte. Nya tu 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 tu. Faudrait que j'essaye de me foutre un scoreboard. Hop. Donc, les deux os, est-ce qu'il va pousser? Non. Bon, c'est bien ce que je pensais. Alors, est-ce qu'on le change? Ouais, on va peut-être le changer. On va le passer en version évoluée. On va le passer en version évoluée parce que je trouve ça nettement mieux. Il me faut une stone axe. J'ai encore du bois. Ouais. Alors, il me faut la stone axe qu'on fout là. De toute façon, il va falloir encore de la cobble parce que il va falloir le faire passer en évolué. Hop, on a la stone. Donc, on va le foutre ici. Notre range est toujours de 1. On met ça. On met les poupousses. Et faut mettre la tools. Donc, on va chercher encore de la cobble. Je vais vraiment me faire mon générateur à cobble hein, par contre. Hein. Parce que là c'est bien beau mais je suis en train de faire un trou à moi-même. Donc bah c'est bien beau mais bon c'est un peu chiant. Oh une axe.
Waiting. Alors, il met toujours son truc. Est-ce que ceci va faire en sorte qu'il y ait plus de... Ah, peut-être la durabilité en fait, les stones, machin et autres. Et c'est l'upgrade. Ouais, c'est une stone upgrade. L'upgrade de base. Faudrait qu'on arrive. Ouais, forcément, je vais aller pas. J'allais pas avoir ce que je voulais. Pipili-pipu. Bon, j'ai une deuxième tête. Foundry Ce, je voudrais bien. Ouais, je vais chercher un peu de spruce à côté, tiens. Salut. Donne-moi du spruce. Homme des cavernes. Même si c'est pas vrai. Hop. Donc, on l'entoure et on met ça. Ça nous fait une wooden upgrade. Non. Ici. Non, plaît. Ah merde, il faut que ça soit en stone. Et puis, évidemment, il faut du polyshed, donc ça va. Polyshed. Voilà. Tuc! Range 2. Ok. Ouais, vachement grande ta range. Ah ouais. Range 2. T'es sûr que ça suffit, range 2? Parce que... Non. Non, non, non. Ta range, je te la fous dans le fion si tu veux, mais... Non. RF Engine. Oh. Wooden Generator. Voyons, celui-là il est assez fat. Ok. Alors, si j'ai bien compris. Je dis bien si j'ai bien compris. Faudrait que j'en rajoute un pour qu'il fasse lui. Putain, le jour il passe tellement vite par contre. Putain, c'est fou comme ça passe vite. Hop. Bon bah allons chercher... Allons dodo déjà. Faudrait que j'éclaire un petit peu tout autour, voir tout ça. Hé, le squelette! Viens voir. Bon, en tout cas, c'est bien. J'ai de la poudre. Bon là, le beau, on s'en fout. Donc, on était à couper du bois. Pourquoi j'ai un chat? J'aime pas entendre des chats. Surtout c'est les chats de Underyo. Donc quand on les tape, ils deviennent très gros. Ah bah voilà. Vous voyez, il est devenu tellement gros le chat qu'il était beau à me tuer. Mais bon, ça va. Heureusement, j'ai une bonne épée Knovak. Ça sert quand même d'avoir ce genre de choses. Hop. Du coup, bah lui, il a toujours pas poussé, hein, forcément. Hop. On se fait la base et on se fait la deuxième. Alors, me dit... Ouais, range 3, voilà. Il lui faut du coup 8 ranges pour qu'il fasse tout autour. Oh, mais c'est tellement fumé! Et je suis sûr, si on le pète, on le récupère pas. Ça par contre, je le sens gros comme une baraque. Hein? Ouais, forcément, il va pas pousser. Hein. Ça serait trop beau. Bon, bah, tant pis. Hein. Du coup, nous, on va se laisser là pour l'instant. J'espère en tout cas que ça vous aura plu malgré tout. Et dites-moi rien en fait.
parce que je vais continuer. Je vais un petit peu améliorer ceci. Le Wooden Chopper, là je vais le mettre en 8, donc il m'en faut 5 fois plus. 5 de plus, donc 805, 40 spruce. Et il me faut beaucoup de stone, donc je vais faire tout ce qu'il faut. Et du coup, je vous retrouverai dans un prochain épisode. Bisous!